dark side. I wanna be your left hand. Bon matin tout le monde! Ça va bien? Moi, ça va super bien aujourd'hui. Vous savez, hier, on avait couché Jaden vers 9h le soir. Ce qui est quand même... Okay, pour nous, c'est tôt 9h le soir pour Jaden. Okay. Mais depuis qu'on était revenu de Wildwood, puis qu'on était en vacances, il se couchait plus tard. Puis il se levait vraiment tard. Comme vous savez, fait que on l'avait couché à 9h. À peu près vers 9h. Puis là, Anthony est parti à l'école. Il y avait l'école à 8h. Hein. Puis, genre, depuis cette heure-là, j'arrêtais pas de me réveiller. J'étais comme. Il est encore dans son lit. Il est encore dans son lit. Il dort encore. J'ai été le voir, genre, plusieurs fois. Ouais, fait qu'il s'est réveillé, genre, à 9h30. Ouais. À 9h30. Fait qu'il a fait un 12h30 dans son lit. J'étais vraiment contente. C'est parfait, là. Là, il est rendu 10h20. Je l'ai pas vlogué avant. Mais c'est vraiment parfait, ça. Ça nous convient vraiment beaucoup. Ben, nous, Anthony est à l'école, mais tu sais, c'est parfait, là, je trouve, comme heure. Fait que je suis vraiment contente. Là, je t'en. Jaquette, ma nouvelle jaquette du temps matin. C'est tellement confortable. Je vous dis, moi, j'ai vraiment de la misère à dormir avec quelque chose sur le corps. Mais ça, c'est vraiment confortable. J'ai vraiment bien dormi. Puis, c'est ça. Là, Anthony est à l'école jusqu'à 5h ou 6h, je sais plus. Là. Il va me l'écrire parce qu'il se rappelait plus. À chaque semaine, c'est différent, genre. En tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, oh mon Dieu, je l'ai pas dit hier. J'espère que, en tout cas, qu'il va pouvoir changer, là. Mais parce que, mettons... Puis hier, il y a eu son groupe de stage. Puis, supposons, il y a un groupe. Lui, il y a un groupe de 16. Mais tu sais, il y a d'autres groupes. Mais ce groupe de 16 est sous-divisé en 3 groupes qui sont dans 3 hôpitaux différents. Donc, l'hôpital de la ville, qui est comme à 5 minutes de chez nous, ou 2 autres hôpitaux qui sont vraiment plus loin de chez nous, genre 40 minutes, 45 minutes. Puis, dans le fond, tu sais, c'est correct, c'est la vie, là, tu sais, si ça tombe sur un autre hôpital, mais c'est vraiment chiant parce qu'il est tombé sur, ben, premièrement, l'hôpital qui est genre à 45 minutes de chez nous, mais tout le monde, dans le fond, il y a un groupe seulement qui commence le 14 septembre, les stages. Ma date prévue d'accouchement est le 12 septembre. Toutes les autres commencent, je pense, à partir du 14 octobre et même après. Qui est genre un mois plus tard et même après, là, on s'entend. Et Anthony, le chanceux, a eu le groupe qui commence le 14 septembre. Mais c'est parce que déjà que c'est à 40-45 minutes, je sais pas exactement, là, de chez nous, comme c'est genre 2 jours après ma date prévue d'accouchement. Fait que, en tout cas, c'est vraiment plate, là, parce que n'importe quel autre groupe qu'il y aurait eu, tu sais, je dis n'importe quel autre groupe, oui, son groupe est sous-divisé en 3 groupes, mais les autres groupes aussi, tu sais, ils commencent plus, comme un mois après. Tu sais, c'est pas juste ça, c'est que on va venir d'avoir, même si c'est pas genre, tu sais, peut-être j'ai accouché une semaine avant ma date prévue, tu sais, comme Jaden, mettons, mais c'est genre le fait que ce mois-là, genre, on va avoir un bébé naissant. Comme, c'est sûr qu'il va être plus fatigué que, mettons, qu'il commencerait les stages un mois plus tard. Je sais pas si vous comprenez, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment plate. Puis, en plus de ça, c'est parce que si, exemple, ça arrive que j'accouche, exemple, le 14, OK? Septembre, si on sait pas, là, quelle date j'accouche, il a le droit de manquer son stage, parce que c'est une raison, comme... C'est considéré comme la raison, genre, maladie, mais tu sais, il a le droit. Mais s'il manque, faut qu'eux, ils s'arrangent pour le trouver un autre stage ailleurs, un autre moment donné. Fait que tu sais, ça serait juste 100 fois plus simple qu'ils le mettent dans un autre groupe, surtout que comme ils sont 16, dans le fond, lui, c'est normalement, c'est des groupes, c'est ça, 3 groupes de 5, puis lui, il est tombé sur le groupe de 6. Fait que tu sais, il est comme, ils ont un... T'sais, ils sont un de plus de toute façon dans ce groupe-là. Fait que, en tout cas, il a fait une demande par internet, mais il va lui demander en personne aujourd'hui là, s'ils peuvent le changer de groupe de stage. Là. Mais tu sais, en plus, t'sais, normalement, il aurait aimé ça, que son stage soit en premier. Parce qu'après, t'es débarrassé, t'as fini ton stage. Genre, t'es pas à la fin de session avec le stage, puis les examens, puis tout. Bon, Jaden est là. Regardez-le.
Mais juste à cause que ça te donne, tu sais, vraiment comme la semaine je suis censée accoucher, genre, c'est juste, c'est ça, c'est plate. Fait qu'on croise les doigts pour avoir des... Ça va? Il vient de m'écrire que la prof de stage qui voit, qu'une des profs de stage, c'est cet après-midi. Fait que celle de ce matin, elle savait pas. En tout cas. Fait que, oh, tu sais, c'est plate parce que normalement, c'est le fun, là. Tu sais, tu commences tes stages puis t'as fini après, là. T'es même pas en fin de session avec tes stages à stresser pour ça, genre. Fait que c'est plate, là. C'est vraiment plate, mais c'est juste comme ça adonne vraiment mal, là. Tu sais, peut-être j'accoucherai, tu sais, je peux accoucher avant, là, mais. En plus, souvent, ils disent un deuxième bébé, ça va vite, là, t'sais, imaginez, il est en stage, il dit « Ok, mais c'est parce que je viens de perdre les os, puis genre, tout déboule vite, là. » Ça serait comme vraiment plate. Fait que c'est ça. J'espère qu'il va pouvoir le changer, t'sais, au pire, c'est pas grave, là, s'il est pas dans l'hôpital de notre ville, parce que, comme je l'ai dit, il y a un autre hôpital aussi, mais t'sais, que ça tombe pas, genre, dans cette date-là. En tout cas, c'est ça. Fait que, c'est pas la fin du monde, il va faire avec, là, mais... En tout cas, c'est ça. Puis, que j'allais dire? Ouais, c'est pas un seul, en tout cas. Là, j'ai parti une brassée de couches parce que j'ai une couple de choses à faire aujourd'hui. Puis, je voulais commencer à en faire. Là, je suis en train d'uploader mon vlog qui est censé être en ligne aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je suis encore dans mes heures. Je passe tout le temps comme entre 10h et midi, là, à peu près mon vlog, si vous avez remarqué. Si vous regardez l'heure, là. C'est tout le temps à peu près entre ces heures-là. Mais c'est parce que normalement, il est... déjà uploadé puis je fais comme public dès que je me réveille genre ou presque là. Fait que là je suis en train de l'uploader, faut que je fasse ma miniature, je l'ai pas faite encore. Ouais, mon classique pour déjeuner. Bon tout le monde, je viens de mettre mon vidéo en ligne, j'attendais qu'il soit disponible, je suis tout croche, en 1080p en tout cas. Ouais, fait que là je me suis fait ma liste de choses à faire aujourd'hui, fait que je vais vous la partager parce que comme ça c'est plus motivant parce que à la fin de la journée il faut que je vous dise qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ok, mes choses sont tout couches. C'est vraiment fatigant. Bon, dans Wonderlist encore. Pour la ma liste d'aujourd'hui. Je sais pas si on... Oh, c'est blanc. En tout cas, elle est grosse. Fait que... J'ai mis... Laver les couches. Parce que... Là, je l'ai partie, mais il faut que je fasse un autre lavage. Plier les couches. Vider le lave-vaisselle. Ça, je vais faire tout de suite, là, puis ranger la vaisselle. Laver les vêtements Maverick. Ok, ça dans le fond c'est que je dois, il y a des nouveaux vêtements, fait que ça, je dois laver ces nouveaux vêtements qui vont être dans la, ben en fait, qui vont être dans les hôpitaux, là, mais c'est tout des, tout ce qui est nouveau c'est tout du nouveau-né, tu sais. Puis, je dois sortir le bac de vêtements que Jaden avait, qui est comme 0-3 mois là, mettons, puis laver ça là parce que, puis trier qu'est-ce que je garde, puis... ce que je veux pas garder dans le fond là, parce qu'il y en a que on avait notre ancienne sécheuse, puis notre ancienne sécheuse des fois elle faisait des trous dans les vêtements, fait que t'sais, faut que je trie là, ça va tout dans laver vêtements Maverick. Préparer sec d'hôpital maman, moi et bébé, parce que demain je filme ma vidéo, puis aussi c'est parce que là ça commence vraiment à me stresser parce que j'ai des contractions un petit peu de temps en temps, puis je me dis ça peut vraiment comme aller du jour au lendemain, là, tu sais, il est même plus prématuré, là, à ce jour, alors, ouais, c'est ça, ça commence à me stresser un petit peu. Éditer le vlog d'hier, je vais faire ça bientôt, aller au parc, dans le fond, c'est que, là, il est 11h23, je vais faire le dîner peut-être vers midi, je sais pas que je vais faire le dîner encore, là, puis, après ça, j'aimerais qu'on aille au parc, pour qu'il fasse comme une sieste vers 2h. Puis en allant au parc, il va gaspiller de l'énergie. Fait que. Voilà. Aller au parc. Ranger la chambre à Jaden parce que pour vrai, on avait fait full de lavage. Puis j'ai rien plié. Fait que ça traîne. Puis il y avait des couches lavables que justement que j'avais pas pliées. Faudrait vraiment que je range sa chambre. Plier nos vêtements à nous dans notre chambre parce que pareil, j'ai pas rangé la brassée qu'on avait fait. Bon, faire la liste des choses à faire avant l'arrivée de Maverick, parce que ça, ça me stresse. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Tu sais, c'est des petites choses, là, mais il faut que je fasse la liste parce qu'il faut les faire, les choses, là. Puis, éditer vidéo de trucs pour dormir. Donc, ça, c'est ma liste d'aujourd'hui. Ça se peut qu'on aille au Costco. Ou, oh, ben, je sais pas si aujourd'hui, là. Peut-être que ça va être demain. Mais demain, je pense que...
la cueillette des bleuets finit en comme début septembre, fait que j'aimerais ça y aller demain. Pour de vrai, cette fois-ci. Je sais vraiment pas ce que je vais faire pour dîner. Je vais regarder ça. Bon, tout le monde, oh mon dieu, je me suis mis à avoir des contractions. Mais tu sais, moi, j'ai pas vécu ça là, avec Jaden. J'ai juste perdu mes os, puis après, j'ai eu des contractions, là, mais. Oh mon dieu, genre. C'est venu tellement soudainement, là, mais tu sais, c'est comme ça que ça vient. Mais... J'étais en train. Ben, je viens de faire. J'ai fait des pâtes pour dîner. Puis je sais que c'est une contraction douloureuse. Je la sentais jusqu'à dans le dos. Mais après, c'est revenu tellement vite. Puis encore revenu vite. Là, j'en ai plus. Mais. Mon dieu. C'est ça. J'ai comme pas envie d'accoucher, genre maintenant. Oui, merci, Jaden. J'ai comme pas envie d'accoucher, genre là, là. Oh, je vous dis, depuis le début, j'ai prédit que je vais accoucher à ma fête. Ma fête, c'est lundi. En tout cas, mais. Je dis, pourquoi j'ai pas envie d'accoucher là? C'est parce que, genre, y a rien de prêt, là, comme je vous dis. Oh mon dieu, mais. C'est drôle parce qu'Anthony, juste avant, il m'appelle. Il me dit, ah, oh, j'ai 2 heures de dîner. Comme il pensait qu'il y avait juste 1 heure de dîner, puis qu'il allait rester à l'école. Fait qu'il dit, ben, je vais dîner avec vous. Là, je suis comme, oui, je viens dîner. Oh, ouais. On est au parc! Il s'amuse à faire le tour du parc. Il est drôle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi tu vois? Va pas trop vite! Tu vas tomber! Il se promène avec son petit lion. Il est tout drôle. Il fait le tour. Ça va pas trop loin, là. Bon, je vais aller chercher. Bon, fait qu'on a passé à peu près 1 heure au parc. Là, il est rendu 2h09. Puis, bon, à peu près 1 heure, c'est ça. Bon, mon collier m'a glacé. Puis, on était quand même bien, là, mais j'avais chaud. Mon pantalon à manches longues. Mon pantalon long. Puis quand je balançais Jaden, j'ai eu un appel du congé de maternité. Comme mon dossier avance. Mais qu'elle ne savait pas combien de temps ça pouvait prendre avant de que ça soit réglé, là, que j'aille les bons montants. J'étais comme. En tout cas, c'est pas grave. Au moins, ça va s'arranger. C'est ça l'important. Fait que là, je vais me prendre un petit yogourt en collation. J'ai donné une genre de pochette de compote là, à Jaden. Squish. Puis c'est ça, là, j'espérais qu'il dorme vers 2h. Mais c'est, dans le fond, j'espérais qu'il se rendorme dans la poussette en partant du parc, mais il s'est pas endormi. Puis il a pas l'air super fatigué, fait que. T'sais, j'espère qu'entre 2 et 3 heures, il va faire sa sieste. Comme ça, t'sais, pour pouvoir faire le dodo, genre comme hier. Là. Bon, tout le monde, j'ai endormi Jaden. Ça fait genre une demi-heure. Fait que je vais le laisser dormir à peu près 1 heure. Parce qu'il s'est endormi à 3 heures à peu près. Fait que je veux pas qu'il se réveille trop tard. Fait que mettons vers 4 heures, max 4h30, je vais le réveiller. Puis là, oh mon dieu! J'ai eu un commentaire d'une personne qui ne s'y connaît vraiment pas et que ça lui tentait juste de juger puis de critiquer. Fait que je veux juste. Genre, normalement là, des commentaires de même, genre, j'y adresse même pas. Je fais juste comme bloquer la personne, c'est ridicule. Mais là, ça m'a vraiment choquée, genre, parce que la personne savait clairement pas. La personne n'a jamais eu de congé de maternité, c'est sûr, à 100% pour dire quelque chose du genre. Fait que je voulais juste adresser ça en vidéo parce que ça m'a vraiment choquée, genre. La personne disait que moi et Anthony, on crossait le. Ben, que Anthony crossait le système en ayant droit à des semaines de paternité. Parce que son employeur dit qu'il est employé, fait que eux ils crossent le système, puis que c'est les payeurs qui. Mais dans le fond, les travailleurs qui payent. Puis que son employeur dit qu'il avait travaillé, puis que, tu sais, dans le fond, il a pas travaillé, fait qu'il va avoir de l'argent. Je sais pas si tu as réalisé, chère personne, mais ça fait genre une semaine que moi,
qui est travailleur, j'essaie d'avoir le montant auquel j'ai droit. Alors, est-ce que tu penses réellement que le gouvernement va donner de l'argent comme ça dans le vide, de même, genre à n'importe qui, parce que supposément que cette personne a droit à un congé? Non. Parce que quand que tu... Je sais pas si... En tout cas, juste pour vous expliquer, là, quand que vous demandez un congé, ben premièrement, moi j'ai 40 semaines et Anthony en a seulement 3, ok? Même s'il travaille pas, dans le fond, il a le droit à 3 semaines, même s'il est à l'école, puis je vais vous expliquer pourquoi. Pour si c'est... Si vous, ça vous arrive dans votre cas, ben c'est le fun de le savoir, hein? Dans le fond, où j'ai... Ah oui, c'est ça. Quand tu fais ta demande de congé, il faut que tu remettes un relevé d'emploi. Ben en fait, c'est ton employeur qui le fait. Mais ça, c'est ton relevé de toutes les dernières payes. Donc, quand Anthony va fournir son relevé, toutes les dernières payes vont être à 0$. Vous comprenez? Donc, 0, OK? L'employeur ne peut pas écrire un chiffre, genre, nowhere, là. Il a fait 0. Il n'a pas travaillé, genre. Mais, il y a un article de loi, donc, c'est une loi. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser, l'article de loi, si on y a droit? Qui fait que, dans le fond, quand que ça s'applique, surtout, dans le fond, ben, je pense que ça s'applique souvent quand une maman, exemple, elle a deux congés de maternité proches, mettons, que tu tombes enceinte, genre, 2 mois après, puis que tu retournes pas au travail entre les deux, c'est un article de loi qui te permet d'avoir le même montant de versement que tu avais à ton premier congé maternité, même si tu n'es pas retourné travailler. Mais c'est pareil pour les papas. Dans le fond, il n'est pas retourné travailler. Il avait eu droit à 3 semaines avec Jaden, puis tu sais, il est à l'école. Il travaillait pas pendant qu'il était à l'école. Mais il a quand même fourni, il a payé parce qu'il était un travailleur, il a payé du RQAP, là, les congés de maternité, paternité, comme tout travailleur. Donc il y a droit. Et l'article de loi permet justement que, comme il n'a pas travaillé depuis la dernière fois, d'avoir le même montant. Mais ça, c'est si c'est en dedans de 104 semaines de, comme précédent, la demande, genre. Fait que, ça s'appliquerait pas maintenant à une personne que, ben, ça fait plus de 104 semaines qu'elle a travaillé. Mais ça s'applique dans son cas. Fait que j'en reviens même pas, genre, d'avoir eu ce commentaire, tu sais. C'est genre la fin du bon. C'est super compliqué pour moi d'avoir droit au vrai montant que j'ai droit. Puis tu penses que, genre, le gouvernement va donner de l'argent de même dans le vide si la personne ne devrait pas l'avoir, genre. En tout cas, ça m'a vraiment fâchée parce que c'est vraiment pas crosseur, c'est un article de loi. Genre, fait que, sérieusement, les personnes qui jugent d'eux-mêmes, qui, j'en reviens pas, là. Les personnes qui jugent sans savoir, genre, tu sais, la personne écrivait ça comme si, ah oh, ben, tu sais, lui va remplir ça, puis il va avoir droit à de l'argent, même hein, l'employeur, il est crosseur, il dit qu'il a travaillé. C'est tellement pas comme ça, ça va être écrit qu'il va 0$ sur son relevé d'emploi, genre. Fait que, oh mon dieu, ça m'a vraiment fâchée parce que j'arrive pas à croire qu'il y a du monde dans vie ignorant qui vont venir juger sans savoir. Parce que t'as clairement jamais eu de congé pour, genre. Tu sais, c'est normal que peut-être tu connais pas la loi, mais si t'as déjà eu un congé, tu sais qu'on fournit un relevé d'emploi et que le relevé d'emploi, l'employeur peut pas mentir que t'as fait 10 000$ quand t'en as fait 0, genre. Ok. Oh mon dieu, fallait vraiment que j'adresse ça parce que j'en revenais juste pas, genre, de l'ignorance. Puis du jugement, genre, gratuit qui a été fait, là. J'en reviens juste pas. Fait que c'est pour ça qu'Anthony a le droit, juste pour vous dire, à 3 semaines payées, mais on s'entend, 3 semaines payées. Genre, sur un salaire qu'il a fait durant 2 mois l'été, genre, la dernière fois qu'il a travaillé. Fait que c'est pas beaucoup, là. C'est juste. C'est mieux que rien. Mais c'est ça. J'en remets pas. Fallait que je vous partage ça parce que il y a des gens ignorants dans la vie. Un petit garçon réveillé. J'ai même pas eu besoin de le lever. Ben ça ne tentait pas full, mais il avait ouvert un petit peu les yeux, fait que j'ai commencé à y parler. Ouais. J'ai mis des petits bonhommes, puis là, moi, je vais plier, regarder tout ça. Tout ça. Le pain banane et chocolat que Maud m'a mis hier, il est trop bon!
C'était la recette de Ricardo. Bon, tantôt, j'avais pas fini de plier les vêtements parce que je suis descendue en bas parce que Jaden arrêtait pas de jouer avec l'humidificateur. Genre, il arrêtait pas de le shaker, puis là, en tout cas, j'étais tannée de dire non, puis qu'il m'écoute pas. Fait que je suis descendue en bas. Ouais. Fait que là, Anthony est là. En fin de compte, il finissait à 5 au lieu de 6. C'était trompé. Fait que c'est ça. Ah, puis pas de nouvelles pour ses stages parce que sa prof qui était censée avoir pour son cours, ben en fin de compte, ils ont comme switché. C'est un autre prof. Donc, c'était pas la prof de stage. Fait que c'est ça. On va savoir ça la semaine prochaine. Puis là, je vais finir. C'est ça, j'avais quand même plié beaucoup de vêtements. Mais là, je vais finir de faire ça. Puis après ça, j'allais faire ça dans la chambre à Jaden. Anthony, ça a tenté de commander du resto. Et on a commandé pour la première fois, depuis qu'on habite ici, on a commandé du chinois. Fait que j'espère que ça va être bon. Parce qu'il n'y a pas grand resto de chinois ici. Genre comparé, mettons, à Montréal. Là. Fait que j'ai hâte de goûter. Voilà notre souper. Fait que dans le fond, on avait du chow mein au poulet. J'ai jamais goûté à ça. Du... Comment ça s'appelle ça? Plus ouais, ça j'aime ça avec la sauce comme à la cerise. Du macaroni au poulet. On a deux riz parce que dans le fond, en commandant, on avait le droit à un riz gratuit. Mais on mangera pas tout comme ça. Comme en haut de 5, c'est ça. C'est ça, on avait un... Puis en haut de 40, c'était poulet de tarot. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, c'était 25, je pense. Hein. Pour, on avait 4 égros. Fait que... Donc, on a pris un combo pour deux. Ouais, c'est ça. Puis Jaden, il est en train de manger macaroni. Puis il aime bien ça. Ouais. Oh, je viens de ramasser la chambre à Jaden. En fait, j'ai rangé plein de vêtements. Là. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui traînaient. Et ça, c'est les trucs que j'ai reçus l'autre jour. Là, j'ai sorti son pyjama pour ce soir. Son jeans que je vais y essayer demain. Puis une serviette pour son bain tantôt. Ça, c'est toutes des couches à plier. Qui sont pas les couches que j'ai lavées tantôt, là. Qui sont dans sécheuse. En fait, il doit être déjà sèche. Là. Ça, c'est les autres que je n'avais pas pliées. Fait que je vais faire ça tantôt. Bon, là, ce que je m'apprête à faire, vous voyez, j'ai un bac comme ça ici. Mais en fait, j'en ai deux. J'en ai un autre dans le garde-robe à Jaden. Ouh, je t'ai soufflé, excusez. Puis, c'était des vêtements qu'il a portés. Qui ne font plus. Ça, je pense que c'est la boîte. C'est quoi? 3-6 mois, genre? 6-12 mois. Ah, oh, shit, c'est peut-être l'autre. Ah, oh, mais non, ça, c'est 3 mois. Oui, ça, c'est Catherine qui me l'avait donné. Fait que je vais classer, dans le fond, ben, je veux sortir ce qui est comme 3 mois, là. Puis laver les vêtements pour que ça soit prêt à son arrivée. Même si c'est propre, c'est parce que ça fait comme un bout, là, que ça a été lavé, on s'entend. Fait que c'est ça, puis je vais faire un sac de vêtements à donner aussi. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai vidé le bac. Mais premièrement, ça, c'est un sac de vêtements que je vais donner dans une place où que tu peux donner gratuitement les vêtements. Fait que tout ça, c'est le 3 mois et le nouveau-né. Donc, 0-3 mois, toutes ces affaires-là. Fait que tout ça, ça, c'est la brassée de lavage que je vais faire. C'est ça, fait que je vais tout laver ça. Ici, c'est une pile 3-6 mois. Fait que je veux pas le laver tout de suite. Mais je veux pas mélanger les grandeurs non plus. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Cette pile-là, je vais la mettre dans un sac, dans cette boîte-là. Comme ça, je vais savoir que prochaine fois que je lave les vêtements qu'ils vont faire, ça va être ça. Là, j'ai une pile de shorts. Fait que, tu sais, les shorts, ça fera pas, là, on s'entend. Et ça, c'était plus grand. C'était genre 6 mois et plus. Alors, je vais les ranger comme dans l'autre bac. Parce que l'autre bac, probablement, je vais vérifier. Là, mais l'autre bac, je pense, c'est comme 6 mois à 12 mois. Et ce gros bac-là, c'est 12 mois et c'est ce qui fait plus là, après. Bon, fait que là, ce que j'ai fait, j'ai sorti aussi, c'est tous les vêtements neufs que j'ai achetés pour Maverick. Fait que, comme je dis, c'est tout nouveau-né un mois. C'est quoi 3 mois, mais c'est vraiment tout nouveau-né un mois là, pas mal. Parce que nouveau-né, Jaden en a porté quand même longtemps, puis j'en avais presque pas. Fait que, oh ça aussi, c'est trop cute. Fait que dans le fond, là je vais partir me brasser la rage de tout ça et de ça, parce que je vais pouvoir faire la valise. Bon, fait que la brassée est partie. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un sac dans cette boîte-là pour que je sache que prochaine brassée de lavage, comme de
3 à 6 mois, ben tout le 3 à 6 mois est là-dedans. Puis j'ai regardé l'autre boîte, c'est vraiment du 9 mois et plus là. Fait que c'est ça, mais j'ai tout ça à classer. Puis c'est pas ça là. Je sais que c'est le bordel là-dedans. Il est pas arrangé comme que je pense tout, mais en tout cas au moins j'ai pu classer un peu les vêtements. Je vais juste vous dire bonne nuit. J'ai presque fait tout ce qu'il y avait sur ma to-do list aujourd'hui. Reste à faire mon sac d'hôpital. Je vais faire le mien. Là, dans la chambre. Mais celui à ma frère, je vais attendre parce que j'ai donné coucher puis il y a des trucs dans sa chambre. Fait que je vais faire ça demain. Puis il me restait plier les couches. Mais je m'en vais faire ça sûrement en écoutant la télé dans la chambre. Et il manquait. J'ai édité la moitié de mon vidéo truc pour dormir. Enceinte. Fait que c'est pas vrai ça, mais j'avais quand même beaucoup de choses. Je suis bien contente là. Fait que c'est ça. Je vous dis bonne nuit. On se revoit demain.